14 février 2024, direction de Saint-Jean de Toulas pour une rando de 9 à 10 km guidée vocalement par l'application Decathlon Outdoor. Il fait un temps printanier et la température est bien agréable. Dans un premier temps, nous descendons dans la petite vallée du ruisseau de la Combe d'Allier et passons devant la maison forte de la Mouchonnière. C'est ensuite un long parcours sur un plateau avec à l'horizon les Alpes enneigées. Nous redescendons ensuite vers le ruisseau précédemment traversé et remontons vers le Prénat et Mincieux et nous dirigeons vers le village de Dargoire que nous traversons et rejoignons notre point de départ en contournant le château d'Écossieux. Une bien belle sortie, en compagnie d'Edith et qui nous a donné un avant-goût de printemps.
Allô. Hello, coucou. Hello. Allô. Bonjour. Allô, allô. Mais allô, c'est en allemand, hein. Allô, ils disent bonjour comme ça. Allô. D'accord. Ouais, tu savais pas? Non. C'est eh pas ben, grave. Si. C'est pas le sujet. Voilà. Alors, c'est pas le sujet. On vient de faire une petite randonnée de 9 km par un beau soleil à partir de Saint-Jean de Touslas. Voilà. Et on est passé par Dargois, qui est un joli village. Enfin, on n'est pas allé voir l'église de plus près, mais c'est dommage. Ça avait l'air sympa. Et un monsieur nous a dit que c'était un village médiéval. Mmh. Donc on y retournera, je pense. Ouais. Ouais, voilà. C'était une randonnée vraiment très, très agréable, très, cool. Très variée. Quelques montées, quelques descentes aussi. Mais bon, c'était très, très bien. Le soleil était au rendez-vous. Donc c'était super. C'était chouette. Ouais. Très bon moment. Rien à rajouter. Allez, bye bye. Bye. Ciao, ciao. Bye. Bye. Ciao.